9 ans déjà. Ce 29 avril, Kate Middleton et le prince William fêtent leur 9e année de mariage. Une date qui restera gravée dans leur mémoire étant donné que cette année, ils le passeront confiné, tout comme Charles et Camilla, quelques jours avant eux pour leurs 15 ans de mariage. Leur union a eu lieu le 29 avril 2011 en l'abbaye de Westminster à Londres. Un royal wedding des plus grandioses qui continuera encore à attirer l'attention pendant plusieurs années. Il faut dire que le couple a mis les moyens pour faire de ce jour le plus beau de leur vie. La sublime robe de mariée de Kate Middleton était une création de Sarah Burton pour Alexander McQueen, le créateur fétiche de la duchesse de Cambridge. Elle coûtait 350 000 euros. Et figurez-vous que le bouquet de la mariée coûtait encore plus cher. Comme souvent dans les mariages royaux, on y trouvait des fleurs, totalement de saison, du muguet. D'ailleurs, le budget fleurs de la duchesse de Cambridge et du prince William était de 700 000 euros. Rien que ça. 20 ans d'amour, un beau mariage royal qui avait eu lieu 10 ans après leur rencontre en 2001 alors qu'il était encore étudiant. Depuis qu'ils se sont croisés, les deux tourtereaux ont grandi sous l'œil des photographes et en quelques années, l'amourette d'université s'est transformée en belle histoire d'amour. Une idylle qui attire tous les regards. Et pour cause, il ne se passe pas une seule semaine sans que le couple ne fasse la couverture des magazines britanniques ou bien américains. Pour compléter leur bonheur, ils accueillaient le 22 juillet 2013, leur premier enfant George. Puis le 2 mai 2015 à 8h34, siesta la princesse Charlotte qui venait au monde. Et en 2018, la famille s'est agrandie avec la naissance du prince Louis. Aujourd'hui, ils sont omniprésents dans la famille royale et se positionnent de plus en plus comme le futur couple de régents. À propos de l'auteur de Coralie Vincent, journaliste Coralie Vincent est journaliste sur le site Closer. FR depuis septembre 2012. Discrète et passionnée, Coralie Vincent est passionnée par l'actualité des médias et des séries télé. Ses derniers articles et Danse avec les stars 1, et bien danser maintenant. Danse avec les stars 1, André Manoukian est le premier à quitter la veine tour Danse avec les stars 1, Rossi de Palma est éliminé, Jean-Marie Bigard déçoit.